C'est bon, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Ce soir à Bandol sur la place de la Liberté, la place de la mairie, le groupe Djangology. C'est ça. Vous êtes quatre musiciens. C'est ça. Vous êtes tous là. Oui. Et vous allez vous produire pour la première fois à Bandol ou c'est... Alors, on a déjà joué à Bandol. Je crois pas. Vous n'avez jamais joué encore. Donc c'est la première fois. Votre groupe, c'est essentiellement du... Alors, c'est un groupe de jazz manouche avec une petite particularité, c'est que nous ne jouons pas les morceaux standards du jazz manouche. Nous jouons d'autres morceaux, mais avec l'ambiance du jazz manouche. D'accord. J'ai écouté, là, tout à l'heure, j'ai mis un extrait. Vous avez un site Exactement. Avec pas mal... Voilà. www.djangology.info. Il est déjà sur le blog, hein. Il est déjà sur le blog avec les vidéos. J'en ai pris une que voilà. J'ai mise en ligne pour montrer un petit peu ce que vous jouiez. Vous reprenez des standards hein, que vous mettez à des la... chansons aussi, voilà. Des standards de jazz, des chansons françaises. D'accord. Piaf, Jacques Brel. Il n'y a pas de chanteur chez vous. Non, hein. Il n'y a que des musiciens. Vous avez quoi de trois guitares. Trois guitares, contrebasse. Et une contrebasse. Et votre groupe, il existe depuis longtemps. C'est la quatrième année. C'est trois ans et on démarre la quatrième année. D'accord. Vous êtes de la région. Oui, tous de la région. Ouais. Moi, je suis de Grimaud. D'accord. Jean, il est du Centre-Var, Rond-Marron et Carcès et Brignoles. D'accord, voilà. Très bien. Pardon ? Des locaux. Des locaux. Des locaux. Ben, c'est bien. Hein. Oui. C'est bien. Il faut faire travailler les artistes d'ici. Nous jouons un peu partout. Nous sommes allés l'année dernière au Cameroun. C'est pas la porte à côté, là. Genève. D'accord. Là, nous partons à Rouen. On a joué à Lyon aussi. À Marseille. D'accord. D'accord. Et là, vous êtes donc quatre musiciens. Normalement, en principe, on est cinq. Il y a un violoniste avec nous. Qui n'est pas là ce soir. Sur certains concerts. D'accord. Ce soir, vous n'avez pas à avoir de problème avec le vent. Ça pose pas de problème avec les micros. Ça a l'air de se calmer un peu. Ça devrait aller. Vous avez tous vos instruments sont amplifiés. Ils sont, voilà, d'accord. Tous les instruments sont amplifiés. Je vois pas de partition. Vous non, jouez. Non, sans partition, on connaît tout par cœur. Vous connaissez tout par cœur. Vous allez jouer combien de morceaux ce soir? Une dizaine. Jusqu'à minuit? Non. Pendant une heure et demie. Une heure et demie, donc. 21h30, 23h. Jusqu'à 11h30. 23h, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est super. Je resterai tout à l'heure là pour filmer le début. D'accord. Hein, un ou deux morceaux. Vous allez commencer par quoi, on peut savoir? Alors, on commence par le premier morceau de notre dernier CD, qui est en fait medley des thèmes que jouait Django à l'époque. Vous avez fait des CD alors? Oui, d'accord. D'accord. Il faudra me donner éventuellement si vous avez les références. C'est à la FNAC, c'est. Oui, je mettrai tout ça en ligne tout à l'heure, voilà. Alors il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis à tout à l'heure alors. Merci beaucoup. Et à tous, nous essayons d'attendre que le vent se calme, mais ça n'a pas l'air d'arriver, donc voilà. Alors j'espère que vous êtes bien assis confortablement dans vos fauteuils. Nous allons donc commencer par un thème, par un medley en fait, de quelques-uns des thèmes que jouait Django Reinhardt dans les années 40. Avec une formation qu'il avait appelée le Quintet du Hot Club de France. C'était une formation dans laquelle il y avait Stéphane Grappelli, Django et puis d'autres musiciens. La particularité de cette musique, de cette formation, pour ceux qui ne sont pas habitués au jazz manouche, c'est donc de ne pas utiliser de batterie, de ne pas utiliser de piano, d'utiliser la guitare comme élément principal de la musique, en rythmique, pour faire les chorus, pour faire les thèmes, voilà. Et donc, c'est l'idée que nous avons choisi d'exploiter. Et nous vous proposerons donc des morceaux que ne jouait pas Django, d'autres styles de musique, mais avec la couleur de la musique de Django. Mais pour commencer, nous allons donc vous jouer un petit medley des thèmes que jouait Django à cette époque. Pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez les grands thèmes de cette formule qui s'appelait donc le Quintet du Hot Club de France. Thank you.
Merci. Alors, après la mort de Django, de nombreux musiciens de jazz, notamment des musiciens manouches, mais pas seulement, se sont mis à jouer sa musique, donc souvent ses compositions, certains allant même jusqu'à recopier ses improvisations. Et donc, en fait, le répertoire de jazz manouche est devenu celui que jouait Django avec ses compositions. Donc, pour sortir un petit peu cette musique de son carcan, on a donc décidé de choisir d'autres thèmes, des thèmes que ne jouait pas Django. Et on va, par exemple, vous jouer là une chanson française que chantait Yves Montand, qui est d'actualité puisque ça s'appelle « À bicyclette ». Et en hommage à Thomas Vauclair. Donc voilà, on va vous jouer à bicyclette. Oui, on s'est amusé à mixer, comme on dit maintenant, un petit extrait des danses hongroises de Brahms au milieu, le tout à la sauce manouche. Ça paraît complexe comme ça, mais vous allez voir, ça coule de source. Donc, à bicyclette. Thank you.
fait, c'était Django qui avait demandé ça à une marque de guitare, qui sont les guitares Selmer. En fait, Selmer, au départ, c'était pas des sax, mais des guitares. Et donc, il avait demandé ça pour pouvoir passer dans la main dans les aigus. Et donc, ça, ce sont les guitares des Manouches. Et là, pour le morceau suivant, on va utiliser un autre type de guitare, au moins pour la guitare du soliste, qui sont en fait les guitares des gitans, les guitares gitanes. Elles sont un petit peu différentes, les cordes sont en nylon au lieu d'être en acier, et puis il n'y a pas ce pan coupé dont je vous parlais tout à l'heure, le bois n'est pas le même, la sonorité n'est pas la même. Et donc vous savez que les gitans, les manouches, les tziganes sont des membres d'une même et grande famille de gens du voyage, qu'on appelle les gens du voyage, avec chacun ses particularités, parce qu'ils se sont, en arrivant d'Inde, ils se sont installés dans des régions différentes de l'Europe. Les gitans en Espagne, les tziganes dans les pays de l'Est, et les manouches dans les régions vers l'Allemagne, la Belgique, l'Allemagne. Donc la musique a évolué différemment. Et donc là, maintenant, on va vous jouer un thème un thème traditionnel de la musique gitane. Donc les thèmes traditionnels, eh bien, c'est tout simplement lorsque ce ne sont pas des thèmes écrits, ce sont des thèmes qui se passent de père en fils, comme ça, à l'oreille, sans qu'on sache vraiment qui les a écrits. Et donc ce thème s'appelle Rumba Gitane.